Le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. Et on a une hausse de 36% sur le département de dépôt de plaintes. Ça a lieu aussi à cause de ce confinement. Il y a 220 000 femmes victimes de violences. Il faut absolument que ça baisse. Un autre chiffre qui nous inquiète fortement, c'est l'augmentation des tentatives de suicide de femmes qui ont subi ces menaces. C'est dire toute la mobilisation que nous devons ensemble porter. Il y a une nouvelle intervenante qui est arrivée depuis un mois au commissariat. Il y a aussi au centre municipal de santé une assistante sociale qui est là pour les accompagner. Il y a une aide juridique qui existe à la maison de justice et du droit qui est située juste derrière la mairie, mais également dans les maisons pour tous. Nous avons mis en place des lieux de parole pour que ces situations ne restent pas enfouies. Il y a l'association du Nid qui vient de s'ouvrir depuis mars 2020, pendant le confinement. Il y a Africa, bien sûr, Citoyenneté Possible, et il y a le Comité des droits des femmes qui est là pour soutenir et accompagner et réagir de suite, appeler le 17, le 39, 19, faire ce qui est possible aussi à leur niveau pour accompagner ou aider cette personne. Il faut que nous soyons toutes et tous attentifs pour que ces femmes, ces jeunes filles sentent le soutien de la société à leur encontre. Nous avons tous et toutes un rôle individuellement à jouer. Ce sont des petites vidéos qui vont durer entre 2 et 3 minutes et c'est justement pour briser le silence. Des témoignages de femmes excessivement courageuses qui ont été victimes de ces violences. Pour aller de l'avant, pour pouvoir s'émanciper sur autre chose, je leur dis bravo et merci. Nous ne voulons pas lâcher ce combat parce que c'est un combat essentiel aujourd'hui si on veut construire une société plus solidaire, plus humaine, plus respectueuse de toutes et de tous et notamment de toutes.